grâce à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi. Que ma prière s'élève comme l'encens.
Joyeuse lumière, sois l'honneur éternel du Père, Saint-Éternel Jésus-Christ. Venant te coucher du soleil, contemplant la lumière du soir, nous chantons. Psaume 114, Antienne A 412. Je prierai le Père, et il vous donnera l'Esprit consolateur pour être bon pour jamais. Alléluia. Je prierai. Consolateur.
écoute-moi. Le Seigneur est justice et pitié. Notre Dieu est en détresse. Le Seigneur défend les petits. J'étais faible, il m'a sauvé. Retourne mon âme à ton repos. Car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé mon âme de la mort. Et mes pieds du faux pas. Je marcherai en présence du Seigneur. Pour les siècles des siècles, amen. Je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit Consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Psaume 115. Je vois leur même que je dis, je suis trop malheureux. J'en étais à dire mon trouble, l'homme n'est que mensonge. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? Sois présent. Elle cause aux yeux du Seigneur la mort de ses amis. Oh, Seigneur, moi ton serviteur, tu les fais le lien. Je t'offrirai le sacrifice, l'action de grâce, en invoquant le nom de Dieu. Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. J'accomplirai mes voeux envers Dieu, que tout son peuple soit présent. Dans les pavés de la maison du Seigneur, dans tes murs, Jérusalem. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Je prierai le Père et il vous donnera l'Esprit Consolateur pour être avec vous à jamais. Alléluia. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des pères. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire des pères. Jésus qui était de condition divine. Jésus-Christ, Seigneur, à la gloire du Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave.
C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire du Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre, de saint Augustin au IVe siècle. Nous devons aujourd'hui expliquer ces paroles du Seigneur. Si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, il vous l'accordera. En mon nom. Par ces mots, il faut entendre non pas une manière toute matérielle de nommer le Seigneur, mais le sens véritable de ce nom. Celui qui pense donc au sujet du Christ des choses qui ne conviennent pas au Fils unique de Dieu, ne prie pas en son nom, même s'il le nomme matériellement. Celui, au contraire, qui a de lui les sentiments qui conviennent, celui-là prie en son nom et reçoit ce qu'il demande, pourvu qu'il ne demande rien de contraire à son salut. Et il reçoit ce qu'il demande au moment opportun. Certaines demandes ne sont pas refusées, mais différé pour un moment plus convenable. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'aimez. Nous aime-t-il donc parce que nous l'aimons, ou bien l'aimons-nous parce qu'il nous aime? C'est l'évangéliste lui-même qui nous donne la réponse dans son épître. Nous l'aimons, dit-il, parce qu'il nous a aimés le premier. Voilà d'où vient que nous l'aimons, c'est que nous sommes aimés. C'est un don de Dieu d'aimer Dieu. Lui-même nous permet de l'aimer, lui qui nous a aimés alors que nous ne l'aimions pas. Nous avons été aimés alors que nous étions loin d'être aimables, afin qu'il y ait en nous quelque chose d'aimable. Le Père nous aime parce que nous aimons le Fils. Le Père et le Fils nous ont donné l'amour pour les aimer. L'Esprit du Père et du Fils a répandu l'amour en nos cœurs, et par cet esprit, nous aimons le Père et le Fils, et cet esprit, nous l'aimons avec le Père et le Fils. Dieu est donc l'auteur de cet amour saint, par lequel nous l'aimons, et il a vu que cela était bon. C'est pourquoi il a aimé ce qu'il a fait. Mais il n'aurait pas fait en nous ce qu'il aimait, s'il ne nous avait aimés avant de le faire.
envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Apprends-nous à accomplir sa volonté. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes le peuple qui appartient à Dieu. Nous sommes chargés d'annoncer les merveilles de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. Au seuil de cette Eucharistie, laissons-nous attirer celui par celui qui est la lumière, par celui qui veut nous faire enfants de lumière. Au seuil de cette Eucharistie, accueillons le pardon du Seigneur. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Avant de s'en aller près de toi, notre Père, ton Fils promit aux apôtres l'Esprit Saint. Ils ont reçu de toi des grâces innombrables qui leur ont fait connaître les choses d'en haut.
Répand maintenant sur nous les mêmes dons de l'Esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans la communion de l'Esprit-Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Après avoir passé quelque temps à Antioche, Paul partit. Il parcourut successivement le pays Galate et la Phrygie, en affermissant tous les disciples. Or, un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, venait d'arriver à Éphèse. C'était un homme éloquent, versé dans les Écritures. Il avait été instruit du chemin du Seigneur, dans la ferveur de l'Esprit. Il parlait et enseignait avec précision ce qui concerne Jésus. Mais, comme baptême, il ne connaissait que celui de Jean le Baptiste. Il se mit donc à parler avec assurance à la synagogue. Quand Priscille et Aquila l'entendirent, ils le prirent à part et lui exposèrent avec plus de précision le chemin de Dieu. Comme Apollos voulait se rendre en Grèce, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de lui faire bon accueil. Quand il fut arrivé, il rendit de grands services à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec vigueur, il réfutait publiquement les Juifs en démontrant par les Écritures que le Christ, c'est Jésus. Parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur ressuscité, par ta lumière tu donnes la vie. Alléluia, alléluia. Peuple, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne de Dieu sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Gloire. Les peuples se sont rassemblés, c'est le peuple du Dieu d'Abraham. Les princes de la terre sont à Dieu, qui s'élève au-dessus de tout. Gloire.
Alléluia, 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 Alléluia. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Amen, amen, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ainsi votre joie sera parfaite. En disant cela, je vous ai parlé en images. L'heure vient où je vous parlerai sans images et vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour-là, vous demanderez en mon nom. Or, je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je pars vers le Père, nous dit Jésus dans ce discours des adieux. Sortir et venir, puis quitter et partir, accueillir et donner. C'est la dynamique de vie en Dieu. C'est le mouvement de la vie qui jaillit du cœur du Père et qui se répand dans le monde. Vie qui irrigue le cœur de l'homme et qui retourne au Père. Double battement des cœurs qui manifeste une communion de vie entre l'homme et Dieu, à travers le Dieu fait homme. C'est un cœur à cœur entre l'homme et Dieu, double mouvement de circulation, d'accueil et de don. Alors, dans cette circulation d'amour, on perçoit tout d'abord le cœur de Dieu. On entend vibrer le cœur d'un père qui bat pour ses enfants. C'est le cœur du Père qui a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour qu'en lui nous ayons la vie. C'est un cœur vulnérable qui se donne dans la pauvreté de l'homme. Mais on perçoit aussi en écho le cœur de l'homme. On entend les aspirations de ce cœur humain, un cœur assoiffé de vie et de joie qui bat par amour du Père et pour l'amour de ses frères. Dans ces arythmies épisodiques, on perçoit parfois que c'est un cœur malade et compliqué, où la vie aurait du mal à circuler. C'est un cœur que le Seigneur devra sans cesse irriguer et transformer pour en faire un cœur semblable au sien, pour en faire un cœur capable d'écoute et d'amour. Ces battements, frères et sœurs, ce sont les battements de notre propre cœur qui apprend à aimer, qui apprend à prier. Ce sont les battements de notre cœur qui se laissent conformer par le Christ. Ce sont les allées-venues de la parole qui viennent nous façonner. Ce sont les dons de la grâce qui nous relèvent. Mais ce sont aussi nos demandes, nos intercessions et nos actions de grâce où nous apprenons à demander pour recevoir. C'est notre cœur de pierre qui peu à peu deviendra cœur de chair pour battre d'un unique désir, pour battre dans le Christ en accord avec le Père. Oui, nos cœurs apprennent à battre au rythme de l'esprit. C'est un mouvement d'accueil qui demande et reçoit. C'est un mouvement de don qui partage et rend grâce. Alors, ouvrons nos cœurs pour recevoir la vie. Ouvrons nos cœurs pour y goûter l'amour du Père.
Ouvrir son cœur, c'est recevoir et accueillir la vie, c'est recevoir cette vie qui était auprès du Père et qui nous est apparue dans le Christ Jésus. Ouvrir son cœur, c'est entrer peu à peu dans le dynamisme de l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie. Il s'agit d'écouter battre le cœur du Père et de savoir nous en émerveiller. Il s'agit de contempler ce Dieu qui prend l'homme à cœur. C'est bien lui qui nous a créés avec sagesse et par amour. Et dans sa bonté, il s'est fait proche de nous. À travers toute l'ancienne alliance, il nous a rejoints dans notre faiblesse pour faire de nous ses enfants. Mon cœur en moi se retourne et mes entrailles frémissent, dit le Seigneur par la bouche du prophète Osée. Alors, pour prendre l'homme à cœur, Dieu a pris un cœur d'homme. Ainsi le Verbe s'est fait chair, il est sorti du Père et il est venu dans le monde. Et nous avons vu sa gloire, gloire qu'il tient de son Père, plein de grâce et de vérité. Pour épouser ce mouvement de Dieu, pour vivre en enfant du Père, l'homme est invité à son tour à communier au battement du cœur de Dieu. Ainsi reçoit-il la vie du Fils, ainsi reçoit-il un cœur nouveau capable d'aimer. Aime, accueille de tout ton être l'amour que Dieu te porte le premier, dit notre livre de vie. C'est dans ce premier mouvement d'accueil de l'amour que nous pourrons apprendre à aimer, à prier et finalement à donner. Mais pour savoir donner, il faut savoir recevoir. Pour accepter de se laisser donner, il faut consentir à se recevoir d'un autre. C'est pourquoi il nous faut apprendre à demander pour recevoir. Il nous faut apprendre à demander au Père, au nom du Christ, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans cette ouverture préalable du cœur, nous courons le risque de nous épuiser dans l'autosuffisance. Nous courons le risque de nous donner sans cœur, avec amertume. L'amertume du cœur est cette acidité intérieure qui nous paralyse. Telle une crampe, elle nous bloque pour un temps dans le don de nous-mêmes. C'est pourquoi il nous faut souvent irriguer notre cœur aux sources de l'amour, au puits de l'Écriture. Il faut abreuver nos cœurs à la table de l'Eucharistie. Sans cette vigilance du cœur, nous courons le risque d'une générosité sans charité. Nous courons le risque de vivre pour Dieu, mais sans Dieu. Ouvrir son cœur, c'est aussi accepter de livrer sa vie, accepter de répandre sa vie pour donner la vie. C'est accepter de déverser l'amour du cœur de Dieu vers le cœur du monde. Donner sa vie, c'est sortir de soi-même pour répandre cette vie qui nous brûle à l'intérieur. C'est accueillir l'homme et découvrir Dieu. C'est visiter Dieu dans le cœur de nos frères. Ouvrir son cœur, c'est vivre et partager la mission du Fils. C'est partager sa compassion, c'est répandre la miséricorde du Père à l'égard de nos frères. C'est élargir son cœur aux dimensions de l'amour de Dieu. Donner sa vie, c'est donc prendre à notre tour le monde à cœur, en annonçant l'évangile de la proximité de Dieu. Donner sa vie, c'est accepter de perdre sa propre vie pour donner la vie. C'est accepter de donner de sa personne pour recevoir et transmettre l'Esprit de Dieu. Sans cette circulation d'amour autour de nous, nous courons le risque de nous laisser empoisonner. À trop vouloir recevoir sans partager, nous courons le risque de nous laisser enfermer dans la tristesse et l'isolement. C'est la tentation de l'égoïsme ou du repli sur soi. C'est la peur du manque qui nous ferme à l'amour. Le repli du cœur est cette duplicité intérieure. C'est cette partie de notre être qui n'est pas encore filialisée et qui a encore du mal à communier au don du Christ pour le monde. C'est cette partie de notre être qui aspire à la joie parfaite, mais qui n'ose pas encore s'engager dans l'ouverture proposée par l'Esprit. C'est comme une petite verrue qui bloque souvent la charité dans nos cœurs et qui nous empêche de laisser circuler l'amour en nous, entre nous ou autour de nous. C'est un poison qui sclérose nos cœurs et entraîne l'asphyxie du corps ecclésial. C'est une fermeture qui empoisonne nos relations aux autres. C'est pourquoi, par l'Esprit, il nous faut souvent laisser le Christ purifier notre cœur par des exercices de charité. C'est la grâce de la vie communautaire,
c'est le propre du sacrement du pardon qui nous ouvre à la miséricorde et qui simplifie nos cœurs. Alors, frères et sœurs, à quelques jours de la Pentecôte, en cette Eucharistie, nous voici réunis pour célébrer au Cénacle cet amour répandu dans nos cœurs. Comme les apôtres, tous d'un même cœur, nous demeurons dans la prière, nous attendons cet esprit de vie qui anime nos cœurs. C'est cet esprit qui viendra nous guérir de nos maladies, c'est cet esprit qui fera battre nos vies ensemble au rythme de l'amour de Dieu. C'est cet esprit qui va rassembler nos cœurs du cœur du monde pour les ouvrir aux merveilles du cœur de Dieu. Que ce même esprit fasse de nous maintenant une éternelle offrande à la gloire de Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, sanctifie ces dons. Accepte le sacrifice spirituel de cette Eucharistie et fais de nous-mêmes une éternelle offrande à ta gloire.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tendons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. De t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, saint, saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont emplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, tout spécialement de Lucienne et de tous ceux et celles qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire Notre Père. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ est l'unité du Christ. Thank you.
agneau de Dieu qui enlève le péché. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
l'Esprit, ô Dieu, mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Les superbes, il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous un même cœur demeurez dans la prière. Par l'action de grâce, prions le Seigneur. Nous venons de communier, Seigneur, au don sacré du corps et du sang de ton Fils. Et nous te prions humblement que cette Eucharistie offerte en mémoire de lui, comme il nous a dit de le faire, augmente en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le week-end des 6 et 7 juin, les Fraternités évangéliques de Jérusalem vous proposent un pèlerinage au Mont Saint-Michel. Les 6 et 7 juin, vous avez des dépliants aux portes de l'église avec les renseignements ou bien sinon sur notre site internet. Plus près de nous, à la fin du mois, fin mai, le 30-31 mai, c'est une session pour les fiancés, couples et familles avec les enfants qui est proposé à Magdala, dans notre maison d'accueil, avec pour thème la filiation. Les enseignements seront donnés par Sœur Constance. Vous avez les renseignements sur notre site internet. Enfin, de manière plus immédiate, la fête de la Pentecôte arrive, et pour nous préparer à cette fête, cette solennité, un itinéraire spirituel vous est proposé, une retraite en ligne, un souffle sur la ville vers la Pentecôte avec Marie. La retraite en ligne commence demain. Il est toujours temps de vous inscrire, soit dès ce soir, soit demain, et même à la rigueur tout au long de cette semaine. Mieux vaut tard que jamais. Vous avez ces feuillets aux portes de l'église ou bien vous pouvez aller voir sur notre site internet. Ce sont nos frères et sœurs de Montréal qui nous feront cheminer à l'écoute de la parole de Dieu. Et cette année, pour la fête de la Pentecôte, dans le prolongement, dans la lumière de cette fête de la Pentecôte, ici même à Saint-Gervais, le lundi, nous aurons une liturgie de profession à midi. Le lundi de Pentecôte à midi, nous accompagnerons, nous entourons nos sœurs Faustina et Maëlys qui feront profession monastique. Ici même, le lundi de Pentecôte à midi. Vous êtes tous et toutes les bienvenus. Et d'ici là, vous pouvez les accompagner, les porter dans votre prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.